Voilà, Team SNK. SNK CCL. Donc SNK qui commence avec Mukuro. C'est parti. Other envers. C'est un match de pure technicité qui nous offre. Other qui charge. Il presse dans le coin. Mukuro n'a pas peur, mais... Other qui frappe. Mukuro commence à camper. Oh là là. On sent quand même que Kenji est en pleine forme. Voilà, Other est dans les pommes. René, c'est rare quand même. Ultimate garde. Lodinou en prend plein la tête. Peut-être qu'il aurait dû disparaître avec ses amis dans le Crétacé. Voilà, il presse dans le coin. Ultimate garde. Ultimate garde. Ça fait rien. Bien joué. Premier round remporté par SNK. Avec son Kenji de la mort. Vont-ils garder les mêmes personnages? La Team Game Fan. La Team Game Fan remporte son premier round. Et les joueurs gardent les mêmes personnages. Visiblement, c'est sur des persos qui leur plaisent. Ouais, Zinou en pleinement confiance en son Other des Carpates. Il se rend de coup pour coup. Ouais, mais Mukuro qui Kanji quand bien. Et level up. Il prépare la grosse boule de feu. Et Other qui se prépare. Il se prépare de point de vue. Il remplit sa barre gentiment. Kenji qui campe bien, bien comme il faut. Il joue comme avec Dalshim. Fury. Bien joué. Ah, magnifique. Magnifique saut carpé. Over qui survit. Suivi d'un double loops. Le premier match remporté par la Team Game Fan. Misérable prend le relais avec son stick. Alors maintenant, nous assistons à la suite du match, donc Misérable à gauche. Misérable et son guile mortel. Et Dimitri. Misérable, l'homme du Nord, l'homme qui annonce votre mort. Il vient de la Belgique pour se battre. Deux Belges d'ailleurs dans cette finale, mais dans des équipes rivales. Vont-ils encore se parler après? Vont-ils encore se serrer la main? Rien n'est moins sûr. Un guile qui commence... Il ne campe pas, il attaque. C'est que la camp n'est pas payante avec Kenji, qui peut camper encore mieux que Guile. Oui, je crois que c'est le roi des campeurs. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Il pose sa tente. Oh là là. Ouais. On voit qu'il a passé ses vacances chez les scouts. Guile a l'avantage pour l'instant. Donc, qui utilise de belles phases. Oh là là. Oh là là. Double sabre laser. Très mal. Très bien placé. Oh, le stun méchant. Kyle. Oh là. Kyle n'a pas perdu. Beaucoup en confiance. SNK joue la camp. Et ça marche plutôt bien. Ah là là. Il a contré le Sonic Boom. Il gratte la barre de vie de son adversaire. C'est pratiquement la fin des haricots. La fin du voyage peut-être, oui, la fin du voyage. SNK a un round de la victoire du premier match. Le visage serein d'SNK en dit long sur son potentiel. Allez, changement de personnage, Dimitri contre Karine. Dimitri et son légendaire 4 hits. Il a tenté une furie à l'arrache, mais ça marche pas toujours. L'action devient un peu confuse. C'est comme s'il y avait un troisième personnage à l'écran. Oh là là. Dimitri qui n'arrête pas avec ses furies de la mort. La furie mind game dans le vide. Oh là là, magnifique. Le combo qui se tombe dans le vent.
Ah, magnifique, super tu du dragon. Dragon reversal. Oh là là, magnifique. Dimitri. Une flamme à terre. Appelez l'ambulance. Vont-ils garder les mêmes personnages? Je doute qu'il change. Il va garder son Dimitri. Et il a raison, très bon choix contre Kenji. Très très judicieux. Ses attaques vampiriques sont redoutables. Et il aime les chaînes combo. Oh, Azenka passe à vitesse supérieure. Dimitri est un peu perdu. Kenji fait preuve d'un pressing à toute épreuve. Voilà. Ça campe tellement bien que j'en frissonne, j'en mimi. Et le stun de trop, le stun de trop. Et double slash. Il a striké l'équipe adverse. Premier match remporté pour la Team Game Fan. La Team Game Fan. Verra-t-on le deuxième joueur de la Team Game Fan? Suspense. Cet homme qui va peut-être sortir de l'ombre. Si Azenka lui laisse sa chance, tout simplement. Sa chance de montrer son potentiel. Zinou en veut avec son user. Et Hydron très beau. Très il bon commence joueur. Avec Hydron et là il rigole plus. Là dans le stage merveilleux. Attention, match de la camp. Un match horrible. À déconseiller au moins de 12 ans. Ouais. Ne faites pas ça chez vous surtout. Hein. Ah, Hydron qui n'arrive pas à surprendre son adversaire pour l'instant. Que vois-je, un objet volant non identifié. Le coup traître. Oh là là, coup de trident. Oh là là, même les embryons. Il a pris des coups avec Neptune et ça en fait un adversaire redoutable. Magnifique musique. Assez lancinante, assez obsédante aussi. C'est merveilleux. Attention. Ozer va être plus efficace. Kenji en mode chérie, ça va couper. Cherche sa barre. Oh là 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 là, quelle pression. Oh là là, magnifique pressing du dino infernal. Ozer n'a pas peur, quelle belle rime. Oh là là. Oh la magnifique. Très beau contre. Le Hauser semble oublier son bas haut légendaire. Et son violent coup de queue. Oh là la magnifique. Que du mind game. Pressing à base de boulette, surprise. Oh là là, quel pressing. Il charge. Et Zinou qui met un genou à terre. Et qui va se relever pour gagner peut-être son match. Un round partout. Magnifique musique, nous en parlions juste avant. Oh, ça tire, ça fonce, ça crame. Oh la vache, ça coupe, chérie, ça coupe. Ozer tente des attaques. Alors que Kenji reste tranquille dans son coin. Oh la magnifique. Ultimate Guard très très bien joué de la part d'Asenka. Aïe. Oh la magnifique. La chope de l'infrigrippe. Il se moque de son adversaire. Ozer en confiance. Ah, Ozer est en pleine confiance. Il montre que c'est lui le boss ici. Le plus bel enchaînement du jeu. Oh la magnifique. Des coups de queue à foison. Ultimate Guard. Un match interdit au moins de 16 ans. Oh là, c'est très très chaud cette fin de match. Et enfin l'homme de l'ombre apparaît.
tel un striker. Le deuxième homme. Et Ryu. On sent quand même un match à base de camp et un peu de boule de feu. Un match passionnant. Jedak attaque. Elle est là. Il y en a dans le coffre. Il est perdu de moitié de barre. Telle une bête en furie, il agresse Hauser qui. Hauser commence à avoir un petit peu peur. Mais il tient dans la route. Magnifique pressing de la part de CCR. En moins de 29 secondes, il a plié le match. Peut-être le comeback de Hydro. Et non, il a repris Hauser. Wonderful. Azenka était en fait l'homme qui voulait vraiment cacher son pote. Parce qu'il semble vraiment redoutable. Mais Hauser ne parle pas. Jedi. Oh là là, magnifique! Quel pressing de fou! Fury passé. Bien joué. Oh là là, magnifique chop! Aïe aïe aïe! La chop de l'infini! J'ai mal pour Jedi. Very good! Mais il remporte ce match, tour de misérable maintenant. L'homme du Nord va apparaître. Avec. La lutte fratricide entre les deux Belges. Avec son mind game. Avec le mind game du Royaume de Belgique. Deux Belges dans la finale du Tout Équipe France. Une logique implacable. Il s'agissait d'amis. On peut en parler au passé maintenant. Ils ne passeront pas la vacance ensemble. Et le gain contre Jeddah. Il va aller vers des boules. Les deux adversaires se connaissent. Okay. Pour l'instant, Gaël a un petit avantage, mais Jedi a raison d'être prudent. Peut-être un somersault kick bientôt. N'oublions pas que Gaël est payé à voler. Mais il suffit que Gaël place 2-3 coups pour attraper Jedi. Que fait la force des streeters? Ah, somersault! Impressionnant pour Solou! Et il plie le match très rapidement! Il maîtrise son personnage, hein, ça va tout de suite. C'est le seul dans le monde à cette entraîne à jeu. Espérons que le jeu rebondisse! Presque dans le coin. Magnifique bouffe de feu. Oh là là. Le match est vampire c'est violent. Il a fouillé un peu dans le vide mais c'était pour lui faire peur. Et peut-être qu'il a pris de l'incendie psychologique. Aïe aïe, il est dans le coin. Belle shot, magnifique. Dragon. Petit combo. Oh là là là. Bien placé. Magnifique. Les Japonais peuvent trembler. C'est la fin des haricots. Encore un match. Et ils sont déjà peut-être dans l'avion. Beaucoup de gens croient en la team qui perd. Mais Kenji est super balèze donc... Shuriken, Kuchen, Shuriken. Hauser hurle comme un dinosaure. Il échappe. Il est dans sa jungle. Oh là là. Il commence au pressing. Oh, pressing. Écrasement. Coup de patte. Ah, ça rentre, ça fonce. Il y a du barreau. Level up. Boulette. Vous être surpris. Belle shop. Level up. Hauser qui presse dans le coin.
Hauser est serein avec sa collerette. Kenji, le, qui passe en qui lui permet d'avoir beaucoup de succès avec les femmes. Premier round gagné. Va-t-il continuer avec Hauser ou prendre son hydron de folie? Non, il continue. Et la Team Game Fan a fait un choix judicieux en prenant Karine contre Hauser. Peut-être que nous verrons une deuxième fois l'homme de l'ombre. Les combos passeront bien plus sur Hauser. Juste un combo. Hauser est un peu perdu contre Karine pour l'instant. Il rien de joué. Voilà. Magnifique. Gunflame. Les deux joueurs sont jouent très serrés. Hein, c'est Dragon. Ah, deux fois de suite, c'est petit, mais ça est efficace. Un des deux joueurs aurait tort de signer le chèque s'il n'a pas le fric en caisse. Nous ne le redirons pas assez sûr. Bien joué. Magnifique Fury d'Azenka. Round de décisif. Il transpire quand même. Round décisif dans ce match. Et si nous annonce la couleur, il garde Hauser. Magnifique coup de corne, coup de queue, coup de queue, coup de corne, coup de bouche, coup de bouche. Deux joueurs se cherchent. Ça hurle, ça tremble. Tel un animal, il se roule sur son adversaire et attend que la proie est ferrée au bout de l'hameçon. Il avait possibilité de faire un bas haut. Karine presse dans le coin. Oh là là, combo. Son doute n'est pas passé. Il passera peut-être dans 5 minutes. Karine qui a bien remonté. Et qui remporte ce match. Azenka transpire, mais il a quand même un sacré sang-froid. Deux matchs à zéro pour la Team Game Fan. Manche décisive. Manche décisive où Misérable doit remporter le match absolument pour relancer la machine. Il faut qu'il essore le linge maintenant, ça devient urgent. Gaël va-t-il sortir des pressings démoniaques? Get it on. Mais Kenji est en face. Encore cette magnifique musique qui nous envoie dans des mondes merveilleux. Alors que Ken observe le match. Sino prodigue des conseils judicieux à son coéquipier. Pardon. À propos pressing de Kenji. Qui connaît bien Gaël, voilà. Visiblement. Shot dans le vide, double shot dans le vide. Ah, il presse, il sait qu'il peut pas camper comme Kenji peut le faire. Fury. Oh là là. Voilà, ça fait toujours très mal quand ça passe. Ah, son muscle kick, magnifique. Ah, il le presse comme un saucisson. Premier round remporté pour la Team Game Fan. Il n'y a pas à dire, presser Kenji est quand même un sacré problème. Kenji qui fait peur avec son écharpe. Et là, on peut penser qu'il va sortir son Dimitri démoniaque. Il a déjà vu l'enfer. Venu des Carpates. Un peu comme Ichi. Il a vu la Dame Blanche aussi. Ah, Dimitri qui presse bien pour l'instant. Mais Kenji a des ressources presque illimitées. Et Misérable sort sa carte gagnante. Et il peut le faire. Et Ken d'autre. Mais non, Kenji ne trompe pas. Ah. Multiple coupé dans le dos, ça fait très très mal. Ça fait mal à la colonne vertébrale. Et Azenka a peut-être besoin d'un Doliprane maintenant. Kenji retrouve Dimitri dans le coin. Et maintenant, le match est inversé. Un round partout. L'heure tourne. Kenji
Je demande un Oscar pour le compositeur de cette musique. Beau travail de Capcom. Dimitri qui presse bien. Karine qui n'a pas pu placer un custom combo. Dimitri qui a faim de femme. Et elle passe en dessous quand même. Petit à petit, il gratte la barre de son adversaire et multiple coups de pied dans le dos. Karine qui passe dans le coin. Ah, du mind game à la Zenka. Le mind game qui fait son office. Ah, là, c'est ça, Furyu. Et Mizerim qui est toujours aussi serein. Mais Karine ne tremble pas. Elle retient son souffle. Les deux joueurs se regardent. Ah, magnifique. Oh là là, une fin de match redisputée. Et Misérable qui relance le jeu, le mind game. BCL va jouer détendu, tandis que Misérable va jouer peut-être plus en détendu encore. Le stage de training, le plus beau stage du jeu. Et il a confiance parce qu'il commence avec son guile. Jedi qui commence à presser dans le coin. Kyle qui reste dans son coin. Somersault kick. Ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur ses coups. Voilà. Une biche dans le vent. Ah, c'est chaud pour Jedi quand même. Aïe aïe aïe. Très bien passé. L'attaque de la 6-sauteuse. On voit là un qui a fait ses courses à Leroy Merlin. Deux joueurs campent. On se cherche. Voilà, ah, bien joué. Guy l'a fait. Joue tranquillou. Belle chope de Jedi qui passe dans le coin. C'est fini pour Guy. Non, il en reste encore un round et il va remonter ça. Premier round remporté pour la Team Game 5. Il est confiant lui. Et il va prendre son Dimitri. Oh, ça rigole pas, il sort Ryu. L'homme de l'ombre sort son ombre. L'homme de l'ombre sort son Ryu. Ryu, un perso très dangereux. La barre qui peut descendre très, très vite. Il ne faut jamais signer un chèque avec Ryu. Un dragon. Ça presse dans le coin. Dimitri comme une bête sauvage. Apeuré. Ryu qui a une furie. Oh là là. Aïe. Ah non, c'est bon. Il a limité la casse. C'est à la moitié. C'est bon. Bon casse-garde. Dragon. Biche. Oh, bien joué. Magnifique. Oh, ah là là, la biche pour la fin. Ah là là, c'est la fin. Magnifique match de la team GameFan qui part au Japon. Eh oui. Road to Tokyo. Road to Japan.